Helvetia Amoka. Que dire, c'est un quartier qui est magnifique. Je vous dis la vérité, on se croirait à Plan-les-Ouates. Je vous jure. Ben, je vais vous montrer ça tout de suite. Putain, c'est magnifique. Franchement, rien à dire. Voilà. Nous sommes à Helvetia Amoka. Et le stop, le panneau stop. Et comme je vous ai dit, on se croirait à Plan-les-Ouates. Regardez le parking. Je me sens comme à Genève. Je vous jure, j'ai l'impression d'être à Genève. Ouais. Regardez ça. C'est vraiment sympathique. Oh, il y a une belle femme. Une Mercedes. Ben voilà, vous voyez, on se croirait vraiment à Genève. J'adore cet endroit, franchement, je pourrais y vivre. Ça change de mon village, hein. Ça change. Il y a les trottoirs, regardez. Et franchement, c'est magnifique. J'adore cet endroit. Je vais vous faire un petit topo, une petite vidéo. Vous voyez, il y a des jolis appartements. Ils sont très jolis. Il y a le panneau 15 km à l'heure. Je sais pas si c'est un rapport, je sais pas, parce que l'endroit s'appelle Helvetia. Est-ce que c'est un Suisse qui a fait ça? Je pourrais pas vous dire. Mais là, j'ai l'impression de marcher à Genève. Ah, je me sens bien, je vous jure. Hein. Ah putain, Ah, je vous jure. Je me crois à Genève. Hein. Je vous jure, je me crois à Genève. Regardez. Avec la montagne, là-bas. Hein, on dirait le Salève. Hein, non? Ah yes. Voilà, vous avez des petites maisonnettes. Voilà, c'est magnifique. Hein. On se croirait à Genève. Putain, j'ai l'impression d'être en Suisse. Hein. Regardez la joie que j'ai. Ah, je suis à Genève. Je suis à Plan-les-Ouates. Bon, il n'y a pas les plaques Suisse-Genève, hein, mais bon. Regardez, on est bien, là. Franchement, regardez ça, regardez ça. Ça change de mon village, hein, je vous jure, hein, putain. Vraiment, on se croirait à Genève, hein, je vous jure. Ah, c'est magnifique, regardez-moi ça. Vous voyez, il y a des trottoirs pour marcher. C'est magnifique, franchement magnifique. Donc voilà, c'est Helvetia Amoka à l'île Maurice. Si vous voulez visiter un jour Helvetia Amoka, bah allez-y, hein, je vous invite. Vous avez l'impression d'avoir fait 11 heures de vol, mais en fait non. Non, on a l'impression d'être vraiment à Plan-les-Ouates, hein, je vous jure. On a vraiment l'impression d'être à, comme je vous ai dit, hein, Genève. Bah oui, Genève me manque. Comme quoi, on peut... Et c'est magnifique, franchement c'est magnifique. C'est celui qui a fait ça, franchement magnifique. Hein. S'il pouvait faire ça dans toute l'île Maurice, ces petits villages, ce petit quartier, on va dire, ah, ce serait super. Mais bon, on verra bien. On verra bien un jour. Ah, panneau stop. Vous voyez, c'est comme en Suisse. Hein. Ah, le Dieu. Alors on avance. Puis voilà, il y a des parkages, vous pouvez parquer votre voiture ici. Puis voilà. Ah putain, ouais. Ah, c'est magnifique. Voilà. Oh là là, la montagne. Et puis des champs là-bas. Ah, c'est magnifique. Oh, des sapins de Noël. Ah bah, moi je pense que c'est un Suisse qui a fait ça. Hein. C'est pas possible. Mais c'est magnifique, regardez ces montagnes. On a l'impression de voir le Salève. C'est magnifique. Juste magnifique. Ah, regardez ça. Cette joie de marcher dans un trottoir. Vous vous rendez compte, 3 ans. 3 ans que j'ai quitté mon Genève. Bien sûr, ça me manque. Tous les jours. Est-ce que je vais revenir? Bien sûr, je vais revenir. Je suis né là-bas. J'ai ma place là-bas.
Mais voilà, vous voyez, on se croirait vraiment à Genève. Donc vous voyez, les trottoirs, passage aux piétons. Bon, c'est vrai que les passages aux piétons, ils auraient dû mettre la couleur jaune. Jaune, s'il vous plaît. Donc si vous voulez que je le peins volontairement. Avec les petites lignes, je sais pas, les lignes c'est blanc ou c'est jaune? Je crois que c'est jaune, je me rappelle plus. Mais enfin bref, franchement, je me sens comme à Genève. J'ai l'impression d'être à Genève. Franchement, rien à dire. Regardez ma titine, elle est là. Elle est là, elle est là. Alors voilà. Aujourd'hui, je suis à Saint-Pierre. Eh ouais, je bouge, hein. Ah, il faut bouger. Donc, c'est un petit village sympathique. Je vais vous montrer, il y a la mosquée officielle de Saint-Pierre. Vous avez plein de petits fast-food que vous pouvez acheter, pas cher. Donc voilà, l'endroit Saint-Pierre. Saint-Pierre. Ah, je suis fier de moi. Et voilà la mosquée. Voilà Saint-Pierre. Et voici la mosquée de Saint-Pierre, officiellement. Très jolie, hein. Elle est magnifique. Là, vous avez la banque, et puis voilà, la ville. Alors, voici la State House, c'est la maison du président de l'île Maurice. Je l'ai trouvé, vous voyez, il est là. Donc bon, on n'a pas le droit d'y aller, mais c'était juste pour vous montrer comme quoi, voilà, c'est là la maison du président. Je suis fier de moi, je l'ai trouvé, et puis voilà. Donc voilà, je suis content, je suis fier de moi. Avec ma titine qui est là.